Vous l'avez compris, sur le premier type de question qui concerne votre présentation, vous devez impérativement savoir répondre. Pour le deuxième type de question qui va vous être posée, c'est la même chose. Le deuxième type de question correspond en fait aux questions sur votre cœur de métier, votre profession, mais aussi plus largement sur des questions dites institutionnelles, c'est-à-dire de la fonction publique territoriale, voire parfois également sur les institutions françaises. Donc cela nécessite que vous connaissiez vraiment très très bien les textes cadres relatifs à votre propre profession, c'est-à-dire lois, décrets qui encadrent le statut de votre filière, que ce soit sapeur-pompier professionnel, filière administrative, technique ou autre. Il est impératif de maîtriser parfaitement les textes cadres de votre filière. Par ailleurs, vous devez connaître aussi votre environnement territorial. Cela signifie qu'il faut comprendre ce que c'est le CNFPT, le centre de gestion, mais plus loin aussi, quel est le rôle et les missions, quels sont les rôles et missions des communes, des départements, des régions et au-delà de ça, eh bien, les institutions françaises, qu'est-ce que le Conseil d'État par exemple, ou autre. C'est indispensable et le niveau de précision de réponse attendue correspond forcément au niveau du concours ou de l'examen que vous passez. Plus c'est un concours de niveau élevé, plus on atteindra des connaissances approfondies et précises. Donc il faut impérativement savoir répondre à ces questions-là. Peu d'erreurs sont tolérées parce que quand on est un fonctionnaire, on fait partie d'un environnement territorial que l'on doit comprendre pour pouvoir évoluer correctement à l'intérieur. Autre type de questions qui peuvent se rajouter à ça, bien évidemment, ce sont aussi toutes les commissions, comités, institutions à l'intérieur même de la collectivité, conseil d'administration, CAP, comité technique, CHSCT, voilà. Donc il est impératif de maîtriser toutes ces connaissances-là et donc nous allons maintenant aborder le troisième type de questions.